Ce que je disais, c'est que j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que le 29 mars 2024, si vous vous souvenez plus, eh bien, le film Godzilla King Kong de New Empire est sorti et je suis allé voir, eh bien, le 29 au cinéma. Et comment j'ai trouvé le film et au niveau du film, comment je l'ai trouvé. Pour moi, ça a été une grosse dinguerie ce film-là. J'ai trouvé que son niveau d'intensité était un peu supérieur à Godzilla vs Kong de 2021. Mais vraiment, le niveau d'intensité de Godzilla King Kong de New Empire était un peu plus supérieur. J'ai trouvé que ce film était vraiment incroyable. Il était insane ce film-là. Vraiment insane. Vraiment, j'ai adoré Godzilla King Kong de New Empire. Ça a été une grosse dinguerie pour moi. Ah oui, les deux haut-parleurs, on va en mettre un... On va mettre un là. Et on va mettre un juste là. Et je vais tester un truc. Si je l'enlève, est-ce que je peux le mettre sur la fenêtre? Je pense pas que je peux le faire. Ouais, je peux pas. On va le remettre à sa place. On va le mettre. Attendez, je vais tester un truc. Mais on va le mettre là. On va le remettre ici. Voilà. Donc les haut-parleurs sont mis. Comment ça fonctionne ça? Qu'est-ce que c'est que ça? What is the purpose of this device? It plays music so that I have something to listen to. What is music? I can detect certain patterns within it. Music and math are strongly related. Rhythm is math, harmonies can be math, but music as a whole is more than that. We experience it on an emotional level. I sense it has an impact on your pulse and breathing. It makes you move differently. Humans are controlled by music. We make music, and we're moved by it. Not everything is about control, Alan. Je vais juste couper mon micro sur OBS et que vous puissiez écouter la musique vous-même. On va peut-être écouter une ou deux musiques du Jukebox. Et là, j'espère honnêtement que c'est pas des musiques copyright une fois que la vidéo sera mise en ligne sur ma chaîne. Donc je vais couper mon micro et je vous souhaite bonne écoute de la musique du Jukebox sur Synaptica Bello Zero. Terrorist.
Alors, comment c'était? Et j'espère que vous l'avez adoré. On n'écoutera pas la prochaine musique parce qu'elle dure 4 minutes et on est déjà là je suis à 20 minutes d'enregistrement. Donc je ferai une petite coupure dès que j'ai tous les ingrédients pour pouvoir construire le Snow Fox. Eh bien, on va pouvoir le construire et se rendre. On va pouvoir retourner à la plateforme d'atterrissage de Fibre Robotique pour tester le robot. Ben, le Snow Fox, j'allais dire robotique, mais non, c'est le Snow Fox. On se retrouve dès que j'ai tous les ingrédients pour pouvoir construire le Snow Fox. Ok, les amis, je vais juste aller voir si Margaret est revenue dans sa base qui est juste ici. Parce que si vous vous souvenez, son rondin des neiges bloquait l'entrée de la pièce suivante, enfin de la salle, de la grande salle qui est ici. On n'a pas pu y accéder parce que son rondin des neiges bloquait l'entrée. On va aller voir si. Ah, il y a son plan, donc elle est forcément revenue. On va aller voir. Donc, si vous vous souvenez plus de son plan, il ressemble à ça. Donc, c'est le plan de Marguerite. Ouais, ça y est, je peux y accéder. On va aller voir dans l'autre salle pour voir ce qu'il y a. You again. Là, voilà. Ouais, c'est encore nous. Et ton rondin des neiges, il est en train de mâchouiller la tablette. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Wow! Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, il y a un pédia. Qu'est-ce qu'il y a ici aussi? Ok, il y a des bugs de texture, parce que regardez, ça c'est un bug de texture. Ok. Attends, il y a un truc là? Il y a un truc que je peux scanner? C'est quoi? Ah! Ah, c'est ça? Attends, attends, je le vois pas. On va voir s'il y a des trucs ici. C'est sa cuisine avec sa machine à café. Petite poêle. Ok, ça c'est quoi ça? Un réfrigérateur. Je peux scanner un réfrigérateur. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah, ça. Une douche. Je peux scanner une douche. Est-ce que je peux faire ça? Dis-moi ça. Ah, il y en a trois, donc ça veut dire que je peux. Je peux me faire une douche, ça me prend un tuyau et un titane. Petite poêle, ça prend. Unité de conduction à faible consommation inutile. Un titane et un fil de cuivre. Et le réfrigérateur, ça coûte un verre et deux titanes. Je vais tester la douche dès qu'on sera en. Ben, la douche, on la testera dans un futur épisode. Un. Évier. Il y a des structures que j'ai jamais vues. Une toilette? What the fuck? J'ai trouvé plein d'autres structures que je peux mettre dans ma base. C'est vraiment what the fuck. Ah, elle a plein de vaisselle à faire en tout cas. Il est en train de faire ses dents, en tout cas, avec la tablette. Ouais, et en tout cas, il nous grogne plus dessus. Parce que la première fois qu'on est allé dans la base de Marguerite, eh bien, il nous grognait dessus à chaque fois qu'on s'approchait de lui. Et que je vous disais, elle a un crâne de répur Léviathan. Qui est comme ça. Je pense qu'on a tout visité le reste de sa base. On a trouvé plein d'autres structures. Cette fois-ci, je vais laisser sa porte ouverte. On va aller voir son plan. C'est ça que je peux pas rentrer dedans. Parce que c'est son plan. Ah non, parce que j'ai cru que j'avais un bug. J'ai cru que je pouvais plus me déplacer. En tout cas, on a pu découvrir le reste de sa base qu'on n'a pas pu voir à cause que son rondin des neiges bloquait l'entrée.
Donc je fais une autre ellipse, enfin une autre coupure. Dès que je suis rentré à la base, on va pouvoir construire le Snow Fox. Parce que regardez, j'ai les deux magnétites. Il me manque le reste qui se trouve à la base. On saute à la base pour pouvoir construire le Snow Fox. On se retrouve. Ouais, c'est ça, on se retrouve. Oh non, pas encore. C'est-à-dire, je vais juste les faire dégager. Un petit coup de défense dans sa gueule. Au requin, au requin calmar. Oh, vite la profondeur. Vite. Tu dégages. Donc, ce que je disais, c'est que je fais une autre coupure. Dès que je suis à la base, on va pouvoir construire le Snow Fox. On se retrouve à la base. Les amis, on va pas pouvoir faire le Snow Fox parce que, devinez quoi, il ne se construit pas dans le bay avec eux mobile, ni il se crafte pas dans le fabricateur. Mais il faut un fabricateur qui permet de le construire lui-même. Je me souviens plus du nom du fabricateur, mais c'est le Snow Fox quelque chose. C'est le nom du fabricateur qui permet de construire le Snow Fox. Sauf que j'ai pas déverrouillé ce genre de fabricateur pour pouvoir faire le Snow Fox. Même si vous avez déverrouillé le Snow Fox, eh bien vous pouvez pas encore avoir le Snow Fox tant que vous n'avez pas crafté le fabricateur qui permet de le faire. Et j'imagine que le fabricateur va être, soit il va être déployable, soit il va être à construire avec le fabricateur d'habitat. En tout cas, ce sera la fin de l'épisode 20. Je vous ai montré pas mal de choses. En tout cas, on a aussi découvert l'autre partie de la base de Marguerite qu'on n'a pas pu voir à cause que son rôdeur des neiges bloquait l'entrée. On a pu débloquer d'autres structures que j'ai jamais vues dans le jeu. On a déverrouillé un petit poêle qui permet de comme faire de la cuisine, une toilette. Attends, écoutez ça. Vous pouvez aussi simplement aller dans l'océan. La description est trop drôle. On a déverrouillé une douche, un réfrigérateur aussi. Garde les animaux au frais et retarde leur décomposition. Donc tout ça, on les testera dans un futur épisode. On a aussi testé le jukebox. Ah, regardez. Les cryptozoïens ont grandi. Et je pense que les haut-parleurs, ils servent à envoyer le son que le jukebox fait. Lorsque vous lancez une musique là-dessus, et ben ça va transmettre dans les haut-parleurs qui sont ici. Donc ce sera la fin de l'épisode 20. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!